Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Diamond Painting. J'ai commencé mon petit hibou qui boit le café. Donc je dis petit parce que c'est un petit DP, tout petit. C'est une toile de 30-30, mais le dessin fait environ 25 sur 25. Donc vous voyez, c'est un tout petit que je vais faire en 4 parties. J'ai partagé à peu près, donc ça doit faire 12,5 sur 12,5 environ. Voilà les 4 parties que je vais faire. Donc j'en ai fait une première aujourd'hui. Donc je pense que je ferai, il y aura deux vidéos. Une que je vous ai fait aujourd'hui, une que je ne ferai. Je ferai une partie hors caméra pour avancer. Ou alors deux parties hors caméra pour avancer. Et je ferai la dernière en filmant pour que l'on termine ensemble. Voilà. Donc celui-là, il va être très vite fait. Hop, emballé, c'est terminé. il va très bien faire. Très rapide. Niveau colle, tout ça, j'ai aucun problème. Hein. Ça colle très bien. Les perles sont nickel. Donc, je vous rappelle que ce kit, je l'avais eu par le biais de la boutique. Alors, je regarde mon petit papier que j'ai fait. Everyday Deals Craft. Je vous le remarque en bas. Hein. C'est plus simple. Parce qu'avec mon accent anglais... à dormir dehors. Donc voilà, je vous ai remis en bas le nom de la boutique et de toute façon, je vous remets en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la barre d'infos, il y a une petite flèche là en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus puis hop, tout se déroule et tous les renseignements que je donne pendant les vidéos se trouvent là. Puis vous avez tous mes renseignements à moi pour me retrouver sur Insta, sur Pinterest, sur Twitter, sur voilà. Enfin Twitter, c'est mes vidéos hein, que je remets dessus. Je ne parle pas sur Twitter. qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc c'est des perles rondes, vous avez vu. Bon, j'ai essayé au début. Alors c'est pas parce qu'il va pas. Hein. C'est parce que j'ai du mal moi. J'ai pas l'habitude. Vous verrez que tout au début j'ai essayé avec le stylet que j'avais eu également en même temps que ce kit, celui que l'on visse, que l'on dévisse plutôt, et qui a la glue qui sort au bout, le nouveau stylet, mais j'ai pas encore trop l'habitude, donc j'ai tout de suite repris un stylet tout simple, mais bon, un petit peu à la fois je vais m'y faire, je pense. Ou alors je m'en servirai peut-être, je pense qu'il ira mieux sur les DP spéciaux avec les perles spéciales, vous savez, les gros diamants, les grosses perles ovales, tout ça. Là j'en ai un ou deux, je crois, en réserve depuis un moment à faire. Je pense que je m'en servirai pour ce genre de DP. Voilà. Donc je vais vous laisser visionner ce petit carré que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Si ce DP vous plaît, pensez à aller voir dans la barre d'infos. Je vous ai mis le lien pour retrouver le DP dans la boutique. Et puis, il y a d'autres choses hein, dans cette boutique. Il y a plein de DP, plein de belles choses. N'hésitez pas à aller voir. Je gagne rien, hein, moi. Pardon. Excusez-moi. Je tousse et j'éternue en même temps. Pourquoi pas? Désolée. Ça ne me rapporte rien. Hein, vous inquiétez. Mais bon, vous pouvez toujours aller voir s'il y a des jolies choses qui vous plaisent. Voilà. Allez, je vous laisse visionner cette petite vidéo et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage, à bientôt, bisous bisous.
Thank you.